bien. Hein. Non, mais je veux dire, tu as de la qualité. Ah oui, ça je sais que j'ai de la grande qualité. Hein ça, c'est pas... pas la quantité, mais la qualité. Non. Et les amis malades sont pas là? Ah, ils sont. Bah, malheureusement, oui, il y a Centrafrique en même temps. Voilà, vous aussi, je peux y aller. C'est la partie d'image. Bon, on a un animalien ici. Donc, balaconé, qui commence de manière inverse. C'est pas les femmes, mais je suis pas du tout macho. Et Bénédicte, mon fils de Seco. Bon, alors j'ai commencé par les aspects personnels, d'ailleurs. C'est-à-dire le rapport entre Aimé Césaire et Bénédicte s'est fait de manière très curieuse. En fait. C'est-à-dire qu'on était en fait à une réunion pour les européennes. Et moi, je venais d'acheter ce livre-là. Je vous recommande vivement. Hein, vivement qui est sorti pour le centenaire d'Aimé Césaire. C'était l'année dernière, 2013. Donc, il y a eu plein de manifestations, notamment à l'ENS. Et en ce livre-là, j'en ai parlé à Bénédicte, qui m'a dit tout de suite qu'elle connaissait très bien Aimé Césaire. Donc, en fait, elle a un petit peu la famille Aimé Césaire. N'en dis pas plus. Non, mais c'est vrai que Bénédicte a fait tout un travail universitaire sur Aimé Césaire, mais en plus de ça, côtoyer Aimé Césaire, un peu comme un grand-père. On va se limiter à ça pour l'instant. On pourra en reparler après. Et alors, pour nous, parce que le problème de mettre en place un truc avec Aimé Césaire, c'est qu'il y avait un rapport au niveau des structurels dans l'organisation des journées d'été. Est-ce qu'on le met en Outre-mer, en Afrique, ou pas du tout? Et alors, nous, on était assez d'accord pour dire que on n'en avait pas rien à faire, mais... Enfin, moi, Aimé Césaire, je l'ai pris comme un... Je viens d'avoir lu la première fois Aimé Césaire quand j'avais 18 ans. C'était dans la continuité pour moi de Mallarmé, des grands poètes français, enfin, francophones, en général. Voilà. Donc, Bénédicte parlera peut-être plus de littérature, non. C'est ça Pas seulement, non, donc le contexte à la fois politique et littéraire qui termine de définir la nourriture. Voilà. En tout cas, qu'elle émerge, sans doute de la définir, de donner sur le sens plus biologique et historique. C'est clair que pour moi, on peut avoir une lecture de Aimé Césaire sans penser à la négritude, sans penser à tout ça, il se suffit à lui-même. En plus de ça, il y a la négritude. En plus de ça, il y a le fait que c'était un grand politique. Le rapport à l'écologie est plus compliqué, mais existant. Et donc, Bénédicte parlera. Et puis, Bala, en fait, alors ce qui s'est passé, alors Bala connaît. J'ai rencontré Bala connaît au moment où Camille Lepage s'est fait assassiner. Donc, en cherchant de l'information sur Camille Lepage, je suis tombé sur Bala, que Camille Lepage avait aidé, il avait été mis en rétention pendant une quinzaine de jours en Pays-Bas pour des histoires un peu stupides de passeport, machin, qu'il n'avait pas, mais il avait pas le passeport, il ne fallait pas rentrer là-dedans dans ses détails. Voilà, on est allé ensemble à l'enterrement de Camille Lepage, et en discutant tout simplement, je ne sais pas si vous m'en souvenez, mais je lui ai parlé à un moment d'Aimé Césaire, je lui ai dit ça. Et lui m'a dit, mais Aimé Césaire, on fait ça à l'école, c'est normal pour vous, enfin voilà, au Mali. Alors que, effectivement, en France, on en parlait aussi, c'est pas du tout vu. Éventuellement, de temps en temps, c'est lié à la grève, je sais plus. Oui, il faut faire des études supérieures et pousser ceux qui préparent la grève. Voilà, ceux qui préparent la grève. Il est en général étudié, toujours à l'ENS. Et là, il est au programme de l'entrée. Donc je vais revenir un petit peu sur le passage à l'ENS de Césaire avec des petits documents rapides. Moi je vais lire un petit texte rapidement que j'ai jeté comme ça.
Après, je vais donc passer ces documents qu'il y a de Césaire, parce qu'il y avait un colloque de Césaire à Venise, donc on voit la photo, et puis etc. Il y a une toute petite interview qui est pas mal de Césaire et qui définit l'idée de créolisation de manière assez. C'est assez fort. Et après, je passerai un documentaire qui avait été fait par le CNRS sur Et les chiens se taisaient. Une des pièces de Césaire. Alors, pourquoi aimer Césaire en journée d'été 2B? Pour répondre à l'actualité, certes, le centenaire d'Aimé Césaire a eu lieu l'année dernière, et cette année, celui de la mort de Jean Jaurès. Mais pourquoi ne pas revenir sur les pensées d'un éminent homme de culture du XXe siècle, qui fut, comme Léopold Sédar Senghor, un grand acteur politique, d'abord en France, et contrairement à Senghor, toujours en France par la suite. Une France de 1982, décentralisée, mais une France qui n'a toujours pas complètement réglé et assumé son passé colonial. Pour moi, Césaire, ce fut d'abord « Et les chiens se taisaient ». Ouvrage qu'à 18 ans je lisais, énigmatique, ce fut la tragédie du roi Christophe, et la honte mélangée de rire, la comédie française, incapable de prendre la mesure de cette magnifique tragédie, du moins incapable d'en respecter sa couleur, sa langue. Je me souviens d'échanges amusés avec des militaires sénégalais, sortis en grande pompe pour saluer le frère de négritude de leur président. Je me souviens de ces trois militaires discrets, durant l'entracte, qui osaient finalement me dire que oui, eux aussi avaient un peu honte de cette mise en scène. Et puis, il y a cette tartufferie à laquelle j'ai assisté, cette tartufferie qui consistait à voir un président français montrer par le ridicule presque burlesque son ignorance du grand homme, alors qu'il dévoilait une plaque au Panthéon. Tout cela suite à la pitié qu'avait eue Césaire pour Sarkozy, cette rencontre curieuse où Césaire avait voulu saluer l'effort de celui qui, pourtant, quelques mois plus tard, allait parler de l'entrée prochaine dans l'histoire de l'homme africain, le fameux discours de Dakar. Et là, nous sommes au cœur de la négritude, grand mouvement intellectuel, empreint d'un humour certain face à la condescendance de l'homme blanc. Négritude et écologie est une évidence, car la biodiversité est d'abord humaine. Et pour moi, lire et relire Césaire, c'est voir devant moi la vie prendre, l'existence se muer, l'existence être. Et comme nous sommes écologistes, si la vie n'est pas au centre de nos préoccupations, qu'est-ce qui va nous porter, qu'est-ce qui va nous arriver, et ce qui nous environne, ce qui nous fait. Et quand je lis Césaire, je ressens cette virulence, pas facile, de l'être prenant forme et voulant s'affirmer. Et en même temps, Césaire nous parle de ce qui a toujours été là, cette nature, nature humaine, nature maternelle, mais il n'en parle pas comme ça, de but en blanc. Il a fait émerger en nous, à travers la science infinie de son langage, science qui couvre littérature et politique, la force de ses mots et sa fierté. On la sent toujours présente, mobilisatrice, et pour moi, elle me donne plus que beaucoup l'envie de vivre, la nécessité de continuer. Et là, oui, là, je vois, je perçois ce qu'est la nécessité écologique d'être. Je n'ai pas besoin des Antilles, je n'ai pas besoin de l'Afrique, je n'ai pas besoin de la négritude pour sentir la force vitale qui m'émeut à la nature de ces êtres. Mais les Antilles, l'Afrique, la négritude, sans les chercher, s'inscrivent alors en moi, comme inséparable de ce que je suis et comme l'acteur blanc des griots dans Soleil haut de Maître Hondo. Je n'ai aucun problème, aucune honte, aucune gêne à dire « Moi aussi, je suis nègre ». Pour moi, Aimé Césaire, c'est l'âme du XXe siècle, l'âme francophone au plus profond du langage, et par-delà sa diversité absolue du poétique au politique. Alors, est-il utile de penser à Victor Hugo ? Aimé Césaire était un poète ultime, rejoignant Pier Paolo Pasolini au-delà des images du réel. Il dit aussi cette souffrance du nègre, souffrance qui le transcende.
grand indigné, mais plus encore, poseur de pierre dans l'édifice religieux de notre évangile, cet évangile moderne, où les mots retrouvent leur force, où ils creusent profond en nous leur sillon pour se tordre et s'exprimer, telle une éponge pleine d'encre. Oui, Aimé Césaire, source d'inspiration totale, observatoire de la pensée qui s'épanche sans imitation, juste nourrie d'un trop-plein d'illusions, canalisatrice du surréalisme politique. Car Césaire était un grand politicien surréaliste. Comme Macunias, plus tard politicien Fluxus, c'est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit en son immobile émission. Donc ça, c'est la fin du cahier de retour au pays natal. On en parlait hier soir. C'est le mot que je cherchais. Vérition. Alors, on avait eu un moment, un petit malentendu. Parce que, dans ce livre, à la fin, il y a un glossaire des mots qu'utilise Aimé Césaire. Et j'ai utilisé le mot néologisme. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de néologisme pratiquement chez Césaire. Mais il utilise par exemple le mot vérition, qui est un mot en fait qui avait été utilisé par Bria Savarin, qui était quelqu'un spécialisé dans l'art culinaire, pour parler du goût, de la sensation du goût. Et j'ai noté en dernier lieu cette petite phrase de Césaire. Aujourd'hui, je suis debout et dans la seule blancheur que les hommes ne m'ont jamais connue. C'est dans Déshérence. Voilà. C'est bien, j'ai juste fini. Alors, là, je vais vous passer. Alors, d'abord, les documents. Donc là, c'est un extrait de l'interview de Césaire. Ensuite, il y a la question autour tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que le créole? Voici la définition que donnait Césaire du créole entier. Quand j'ai dit une fois devant le général de Gaulle que notre histoire commençait dans la case des bateaux négriers, il paraît qu'elle est martiniquée et très assimilée, qu'elle était
qui a aidé, ça fait vexé, ça fait offusqué. Mais c'est ça le fait premier. Il faut prendre la parole. C'est ça la vérité. Si d'accord, la parole, ce sont ceux qui ont fait après, et non pas ceux qui ont subi après. Bon. Comment peut-on comprendre la société martiniquaise ne tient pas compte que tout est une société économique et raciste. Comment peut-on comprendre la langue martiniquaise, la vraie langue martiniquaise, le créole, si on ne tient pas compte du fait que c'est une langue qui a été formée et avec des mots français, des débris de mots français, mais qui a été restituée par Dégosier sur les règles implacables de la politique africaine et agglutiné entre eux sur les règles de la syntaxe africaine. Ça me paraît évident, autrement dit, si on ne peut pas rester à la surface des choses, eh bien, on est obligé d'en revenir à ce fait premier, à savoir que nous sommes mélangés, certes, mais que nous sommes des Africains de la diaspora. Mais c'est clair que ben pour moi il y a une autre dimension dans le langage déjà chez Césaire. À la fin, quand on dit. On en reparlera un peu. Allez. Donc là je vous passe un extrait de. Donc c'est un extrait de Et les chiens se taisaient qui avait été monté par le CNRS. Pour moi,
et se crie comme la chimie de l'engrais, qui ne vaut que s'il meurt, à faire renaître une terre sans plaisance, riche, véritable, fleurant bon l'engrais et l'herbe toujours nouvelle. Comment débrouiller tout cela? Les noms semblent plus impétueux, les zéniths devant le monde, tout plein de ma foule en son plein. Je me nourrirai d'un grand exemple. Et pour cela, ah oui, de cette vie que vous tous m'offrez, merci. Ah, c'est cela qui vous perd. Et le pays se perd de vouloir un petit peu justifié d'accepter l'inacceptable. Je veux être celui qui refuse l'inacceptable. Voyez, il n'obéit pas. Il ne renonce pas à l'argent mauvaise. Il ne désarme pas. Mon prénom, humilié. Mon état, révolté. Mon âge, l'âge de la pierre. La race humaine, ma religion, la fraternité. Ma race, la race tombée. Ma religion, mais ce n'est pas vous qui la préparerez avec votre désarmement. C'est moi, avec ma révolte, et mes pauvres poings serrés, et ma tête hirsute. Et vous rendez compte que c'est ma cabesse, c'était les communs.
se promener à la maison du père. On tirait les fenêtres, on força des portes. La chambre du père, c'était grand. La chambre du maître était brillamment éclairée et le maître était là, très calme. Et les notes s'arrêtaient. C'était la mère. J'entrais. C'est toi, me dit-il, très calme. C'était moi. C'était bien moi, lui disait-elle. Le bon esclave, le fidèle esclave, l'esclave esclave. Et soudain, ses yeux furent un peu ramés à pleurer les jours de pluie. Frappé, le sang chicla. Le seul baptême dont je me souviens aujourd'hui. Eh bien, j'étais éliminé, mais nu, intact. Ma mère, ma main et mon pied sur le sol. Et les masse de noyers et de nasses se sont récoulements vers le couchant. Le monde, assassiné d'un âge, pris dans le filet de ses propres parenthèses, coule. Nu comme l'eau. Nu comme le regard unicorne de midi, comme le cri et la morsure, j'éclaircis de basse buée le monde sans reconnaissance et sans ingratitude, où la pensée est sans équivoque, mais la fleur, au cœur de papillon. Je veux avoir vu une hiver pour timbrer. Thank you.
d'où aujourd'hui ces porcs qu'on considère comme je crois quasiment endémiques, mais en fait ont été importés par les Espagnols. Et la violence de l'esclavage va se poursuivre bien après la question de l'esclavage qui intervient à Martinique en 1848. Et le régime colonialiste qui va être instauré à la Martinique à ce moment-là sera un régime gouverné essentiellement par la violence dont peuvent faire preuve à n'importe quel moment et l'État qui est le garant de l'ordre colonial. Et ces terres coloniales, elles ont essentiellement pour principal objectif, objectif premier, leur exploitation. L'exploitation de la terre et l'exploitation des hommes qui servent à exploiter la terre. Et donc la construction de la société antillaise ne peut pas se comprendre, ne peut pas s'entendre en dehors de ce paradigme de l'exploitation. Et le corps social antillais, la division du corps social antillais, qui est construite d'abord sur l'esclavagisme et ensuite sur le colonialisme, est fondamentalement raciste. Et César me rappelle un petit morceau d'entretien que tu as dit. Elle est fondamentalement raciste. Alors, ça ne veut pas dire que l'esclavage, en fait, quand au départ. Donc le racisme ne précède pas l'esclavage, en fait. C'est vraiment le racisme, c'est une construction qui vient légitimer et justifier de la mise en esclavage progressivement exclusive des Africains déportés en Amérique. Puisque au départ, en Amérique, les esclaves ne sont pas. Le corps des gens qui vont travailler en temps privé de liberté n'est pas exclusivement constitué d'Africains. Il y a aussi des Européens, des engagés, il y a aussi des Amérindiens. Bon, à la Martinique, qui vont très vite disparaître, les Amérindiens, puisque l'État français et les puissances coloniales, d'ailleurs, en général, pas seulement la France, d'ailleurs, passent une espèce de marché de dupes avec eux en leur laissant Saint-Vincent, puis finalement, ils ne vont pas se reprendre. Mais donc, il n'y a plus d'Amérindiens très vite, même pas à la fin du XVIIe siècle, donc la Martinique s'est pensée en 1635, même pas à la fin du siècle même, il n'y a plus d'Amérindiens du tout à la Martinique et d'une manière générale dans les petites Antilles. Alors, cette violence, disons, à la fois de ceux qui possèdent la terre, de la classe qui gouverne et qui possède la terre, et de l'État qui vient garantir cet ordre esclavagiste, elle place le peuple d'abord esclave, puis ensuite libéré, mais dans un état d'impuissance totale. Et aux Antilles, il n'y avait pas de. On était soumis à, les Antilles étaient soumis à un régime qui était un régime à partir du Second Empire, de 1854, pardon, un régime qu'on appelle le régime de spécialité législative, senatus consulte. C'est-à-dire que les colonies ne sont pas régies par les lois ordinaires, mais par des textes spéciaux décrétés par l'empereur, un régime des décrets. Et en Martinique, en Guadeloupe à La Réunion, le Conseil général avait simplement le droit de voter les impôts locaux. Et donc, de 1854 à la loi sur la départementalisation qui intervient en 1946, les Antilles vivent sous ce régime spécifique. En réalité, la loi sur la départementalisation est d'abord une revendication d'assimilation, non pas évidemment culturelle, mais d'assimilation juridique. C'est-à-dire que ce que vont revendiquer Césaire, mais il n'est pas seul, hein, parce que les partis communistes français, Césaire fait partie du Parti communiste français à l'époque, les représentants du Parti communiste français à la Martinique, dans leur ensemble, revendiquent la demande de la départementalisation, mais aussi des hommes politiques de droite, je pense à quelqu'un comme Victor Sablé, par exemple, qui ensuite était, je crois qu'il était au FPR, qui a fait partie de ces hommes qui ont demandé la départementalisation.
ce qu'il demande d'abord et avant toute chose, c'est l'accès à des droits. Parce que justement, ce qui règne, c'est vraiment l'intérêt des familles coloniales. Et comme les familles coloniales à la Martinique, comme la division sociale recoupe la division entre guillemets raciale, celle qui a été construite par le régime esclavagiste, qui s'est donc progressivement spécifié comme un régime qui divisait les blancs et les noirs, les noirs étant les esclaves, les blancs étant les propriétaires terriens libres, ou les petits blancs exploités eux aussi, mais qui du simple fait qu'ils étaient blancs, se sentaient quand même appartenir à la classe supérieure et pouvaient se permettre éventuellement d'être violents avec les noirs. Et donc, comme cette division sociale recoupe la division raciale, l'appareil d'État qui est héritier de l'ordre colonialiste et esclavagiste, pendant toute la période du 19e et du 20e siècle, et après même la départementalisation, est un appareil d'État qui est ultra-violent à l'égard des classes populaires qui sont essentiellement les descendants d'esclaves. Et ça explique un peu la situation. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui à Ferguson en Amérique. Ce qui se passe aujourd'hui à Ferguson aux États-Unis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la ligne de couleur, d'une certaine manière, étant donné la ligne de couleur dont Du Bois disait qu'elle serait le principal problème de l'homme moderne, cette ligne de couleur recoupe les divisions sociales basées sur l'appropriation des moyens de production et l'appropriation de la richesse économique effective et la possibilité de gouverner, d'obtenir le pouvoir politique. Et donc la violence est énorme. Je donne quelques exemples qui l'illustrent assez étonnante. Les ouvriers agricoles de Martinique à ce moment-là sont embauchés tous les matins sur la plantation pour le travail à effectuer pendant la journée. La plupart d'entre eux sont casés, c'est-à-dire qu'ils ont eu le droit, de par la fidélité de leur famille à la plantation, etc., à un logement gratuit dans l'ancienne rue Casenègre. Donc la plupart d'entre eux sont ce qu'on appelle casés. Mais le maître de l'habitation pouvait tout à fait décider de les décaser si par hasard ils ne se comportaient pas comme il fallait qu'ils se comportent. Ou bien de ne pas les embaucher, puisqu'il n'y avait pas de droit de travail spécifique, donc le matin on fait bien, on disait bah non, ce matin tu ne viens pas travailler, on va prendre quoi, etc. Ça va donner lieu, évidemment, ce régime spécifique va donner lieu à un certain nombre de grèves, lesquelles seront systématiquement réprimées dans la violence, et il y aura des morts, en général, du côté des ouvriers. Sauf peut-être dans le cas de ce qu'on a appelé les 16 de Basse-Pointe, où cette fois-ci c'est le maître de l'habitation, pas le maître d'ailleurs, mais le gérant et l'administrateur. C'est Guy de Fabrique et l'administrateur de l'habitation qui va être, et des quatre habitations d'ailleurs, avec qui en question, qui va être assassiné. Et donc, régulièrement, ce qu'on voit aujourd'hui se passer aux États-Unis à Ferguson, régulièrement ça arrive à Martinique. On n'entend pas parler en France d'ailleurs, le silence terrible là-dessus, mais ça arrive régulièrement. D'où ce souci, effectivement, de ces quelques intellectuels antillais. Et un politique dont est nécessaire de demander d'accéder à cette assimilation juridique aussi parce que dès 1936, avec le Front populaire, les ouvriers obtiennent un certain nombre de droits en France, d'abord avec les congés payés, en 1936, et puis en 1945, avec la sécurité sociale et les retraites, le régime spécifique à la Martinique laisse de côté les ouvriers à l'école antillais, qui forment quand même l'essentiel du monde du travail aux Antilles, ceux qui travaillent dans les usines de canne, ou les usines à sucre, ou les usines à rhum, et ceux qui travaillent sur les terres, ceux qui cultivent la terre. Et donc cette revendication en fait, du statut départemental, elle commence dès 1874. Et elle se base, c'est pour ça qu'on a parfois reproché à Césaire d'avoir demandé
cette d'avoir lui-même été rapporteur de la loi. On lui a beaucoup reproché ce combat pour la départementalisation de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Mais j'ai retrouvé une citation du Parti communiste français qui date de 1966, où le Parti communiste dit « Il est apparu à notre parti que l'assimilation était le moyen pratique le plus efficace d'arracher en faveur de la classe ouvrière toute une législation sociale et d'associer notre pays aux perspectives d'accès au socialisme qui se dessinait en France. » Et en fait, le rêve d'un certain nombre de communistes aux Antilles à cette époque-là, c'était vraiment... On allait nationaliser les usines. Les communistes étaient convaincus, les militants communistes à l'époque étaient convaincus qu'on allait effectivement nationaliser les usines et que donc l'outil productif passerait aux mains des ouvriers. Et donc il y avait ce rêve extraordinaire où on se disait, à Martinique, si on devient un département français à tout égard, c'est-à-dire l'habitude de dire la Martinique est un département à part entière et entièrement à part, si on enlève l'entièrement à part et qu'on devient un département à tout égard, alors ce rêve sera aussi celui, deviendra aussi réalité pour les masses populaires antillaises. Alors, et évidemment, c'est pas ce qui va se passer. D'abord parce qu'il n'y a pas d'application, cette assimilation juridique, elle n'est pas effective, parce que les décrets d'application ne sont pas promulgués. Le dernier décret d'application, il arrive en 1996. Là, on est en 1946, pour vous dire. Même la loi sur la départementalisation n'assimile pas totalement les Antilles en tant que département. Il faut attendre la constitution de la 4e République. Alors, du coup, Césaire va un peu changer modifier son discours. Et à partir de 1956, son discours se matine, il y a une forte revendication d'indépendance de la part de Césaire, qu'il va, qu'il ne demande jamais, comme Larmija a pu le faire, l'indépendance. D'ailleurs, il dit toujours, il dira toujours attention à cette indépendance qui deviendrait une dépendance absolue à l'égard des puissances économiques qui nous environnent, etc. Lui, il dira toujours il faut qu'on fonde une fédération caribéenne. Le seul horizon possible pour une indépendance, c'est une fédération caribéenne. Plus Chavez, d'ailleurs, a voulu reprendre ensuite. Mais par contre, il va vraiment revendiquer pour la Martinique d'être une région autonome, hein, membre d'une république française devenue fédérale. C'est son mot d'ordre. Et donc, il quitte, après les événements de Budapest, le Parti communiste, en 1956, il écrit cette fameuse lettre à Mistores, et il crée le Parti progressiste martiniquais en 1958, avec comme, justement, grand challenge de porter, justement, cette revendication d'autonomie. Ils vont même organiser une convention pour l'autonomie en 1971. En 1981, il abandonne cette revendication après l'élection de Mitterrand. Parce que Mitterrand est élu, et derrière lui, victoire massive du Parti socialiste aux élections législatives. Et Mitterrand porte, on a dit, parce qu'ils n'ont jamais mis en œuvre, mais un projet de décentralisation très fort. Et Césaire, à ce moment-là, met en veilleuse. Cette revendication autonomiste. Voilà pour le cadre et politique, disons, et qui forme le substrat de ce qui a pu conduire Césaire ensuite à écrire ce qu'il a écrit et à être l'homme qu'il a été pour les Antillais, parce que ça aussi c'est très important. Je ne sais pas si vous avez assisté aux obsèques de Césaire à la télévision, mais vous aviez toute la Martinique derrière le cercueil, toute proportion gardée, c'est ce que disait Adrien. Les obsèques de Césaire, c'était comparable à ce qu'a pu être notamment Victor de Gaulle ou de Zola à Paris. C'est un personnage absolument extraordinaire des Antilles. Pour vous donner une idée de ça, il a été élu donc en 1945, il est élu député maire de
Fort-de-France, la circonscription du Fort-de-France. Maire de Fort-de-France est député de la circonscription de Fort-de-France. Il sera mis en ballotage pour la première fois au premier tour des élections législatives en 1981. De 45 à 81, il gagne au premier tour de manière systématique. Et même cette fois-là, il va remporter au deuxième tour à 63,3% des suffrages exprimés. Il n'a jamais perdu une seule élection. Donc c'est un personnage, et c'est un personnage auquel les Antillais vont, entre guillemets, pardonner ses contradictions. D'ailleurs, ça c'est très étonnant, c'est-à-dire quand on discute de lui aux Antilles, et qu'on discute de son œuvre politique, et qu'on dit qu'il y a des limites, les Antillais répondent, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Quand, par exemple, sur la banane, l'exemple de la banane, ici on est dans l'écologie des Verts, l'exemple de la banane est intéressant. C'est le premier produit d'exportation agricole aujourd'hui à la Martinique. Ça représente 57,8% de la production agricole. C'est énorme, donc ça fait vivre, évidemment, vous imaginez, vous imaginez, etc. En même temps, depuis 1976, la fabrication du chlordécone a été interdite aux USA. On en connaît très bien la dangerosité, et pourtant on a continué à produire des autorisations de vente et d'utilisation du chlordécone à la Martinique. Elles seront renouvelées jusqu'en 1993. Donc quasiment pendant 20 ans après qu'on ait interdit le chlordécone aux États-Unis, on continue de l'importer, de le vendre, de l'utiliser à la Martinique. La Martinique est rongée par ça. On a aujourd'hui le premier, on a le record du monde des cancers de la prostate chez les hommes. Enfin, c'est une catastrophe. Et Césaire va demander, va être un des défenseurs de l'idée qu'il faut que les subventions européennes aillent à la Martinique pour pouvoir subventionner la banane, quoi. La culture de la banane. On se dit, il y a quand même quelque chose là qui est extrêmement contradictoire. Et en fait, il a tout le temps été pris dans ces contradictions fondamentales. Et qu'est-ce qu'on fait? En 45, la plupart des Antillais, la Martinique, c'est 100 km sur 30. La totalité du territoire est possédée par des grandes familles qui sont des descendants des colons. Lesquelles familles, en général, ne possèdent pas une habitation, mais 3-4 habitations. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez 10 familles qui possèdent l'île, et qui sont 10 familles qui sont descendants des grandes familles de colons. Ça veut dire qu'elles ont nécessairement des liens avec les grandes familles industrielles françaises. Donc, l'ensemble de notre production aux Antilles est entièrement loyauté de ces familles, qui ensuite contrôle l'import-export. Vous ne pouvez pas monter quelque chose en Antilles si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas en accord avec ces familles, si elles ne vous donnent pas la possibilité de le faire. La première compagnie aérienne indépendante à s'installer aux Antilles, après la rupture du monopole d'État d'Air France, c'est la compagnie Dayot, grand béquier guadeloupéen, grande famille de béquiers guadeloupéens. Donc vraiment, on est dans une situation où la grande masse des Antillais vit dans une misère épouvantable, dans des cages, dans une misère épouvantable, et où l'urgence sociale, c'est de donner du boulot aux gens et de leur permettre, de manger. Et d'où des contradictions dans l'urbanisation intensive de Fort-de-France, la façon dont cette urbanisation a été menée, et qui effectivement ne répond pas forcément à une évolution de l'île vers un mieux-être écologique, une vision écologiste du développement des Antilles. Aujourd'hui, je pense que si Césaire est plus là pour le dire, mais je pense que en réalité, lui, et je vais tenter de le prouver avec ce que je connais mieux de Césaire, parce qu'en fait, moi, je suis une spécialiste de lui en écrivain, vraiment, avec sa littérature, pas en tant que politique, mais Césaire avait un rapport à la nature extrêmement étroit, en fait, et je pense que la vision écologiste n'est pas du tout étrangère à Césaire, loin de là, mais que pour les raisons que j'ai expliquées, cette espèce d'urgence sociale et politique dans laquelle il était, et l'impossibilité absolue de faire changer les choses de manière brutale, parce que la violence brutale était fabuleuse, hein, les syndicalistes sont là, on a quand même pas mal de
descendre. Il a fait les choses telles qu'il les... Lui-même, tu disais, il y a des moments où ça a été... Oui, dans les années 50, Césaire envoie ses enfants au Sénégal. C'est comme ça que... Moi, mon grand-père était à l'école avec Denis Césaire. Ils ont 2 ans d'écart. Mon grand-père avait 2 ans de plus que lui. Il est mort après lui. Ils ont fait le collège ensemble, mais ils ne se connaissaient pas. Ils se connaissaient parce qu'il n'y avait pas beaucoup de petits nègres qui allaient au lycée à l'époque. Donc ceux qui y accédaient se connaissaient nécessairement, les familles se connaissaient, mais c'était pas. Par contre, après, donc mon grand-père, il va devenir avocat, il va partir vivre au Sénégal. Il restera 36 ans et la communauté antillaise au Sénégal n'est pas très grande. Et donc, quand Césaire envoie ses enfants au Sénégal, là, il se rapproche et on porte une erreur. En tout cas, à ce moment-là, on sait qu'effectivement, s'il décide d'envoyer ses enfants au Sénégal, c'est parce que c'est ces moments justement où là, il commence à revenir sur l'idée de l'indépendance, de l'autonomie, etc. De Gaulle est au pouvoir à ce moment-là et tous les fonctionnaires, c'est aussi le moment où le père d'Edouard Plenel, qui était à l'époque inspecteur d'académie à la Martinique, qui va défendre un enseignant, Plenel a raconté il n'y a pas longtemps sa affaire, il va défendre un enseignant qui, ou un directeur d'école qui essaie d'introduire un peu les petits martiniquais à l'histoire des Antilles etc. Pour vous donner un exemple, Césaire et mon grand-père font partie de la première génération où ils ont un enseignement sur la géographie spécifique des Antilles. Mais avant, ça n'existe pas. Et donc, c'est les années où le père de Plenel sera rapatrié en France pour anticolonialisme. À l'époque, il y a ce crime qui est institué de menace à la sûreté de l'État, d'agitation anticolonialiste, mais tous les fonctionnaires d'État français qui, aux Antilles, et donc en particulier, en fait, on visait essentiellement, bien sûr, des enseignants, des choses comme ça, qui, aux Antilles, se comportent pas en défenseurs de coloniale, qui n'existent plus formellement, hein, parce que les départements, ça n'existe plus formellement, mais bon, sont rapatriés. Donc c'est un moment quand même un peu compliqué. En Algérie, c'est pas la même chose, il n'y a pas de mots qui se mêlent dans tout ça. Enfin, c'est un moment un peu délicat. Et donc effectivement, les enfants de Césaire sont envoyés au Sénégal. Alors, ce que je voulais dire par rapport à sa poésie, et je vais conclure là-dessus, mais c'est intéressant, c'est que... l'imaginaire de la nature et des paysages est absolument omniprésent dans le Césaire. On a une constellation de métaphores qui permettent de remettre radicalement en question l'imaginaire colonial. Et en fait, la nature va devenir pour lui l'occasion d'abord Donc cette déconstruction de l'imaginaire colonial, elle opère à travers ce discours sur la nature, où la nature, en fait, ce qu'il va chercher dans la nature, c'est la mémoire de l'esclavage, c'est la révolte, hein, et c'est aussi la diversité des peuples et des lieux qui ont formé les Antilles. Et ce faisant, il va modifier profondément la perception de la nature que pouvait véhiculer l'imaginaire colonial. Par exemple, en 1939, donc il publie le cahier d'un retour au pays natal, et dans les premiers vers, il écrit « Au bout du petit matin, bourgeonnant dans ce frais, les Antilles fin, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, échouées dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville, sinistrement échouée. » Bon, c'est, si vous faites... calcul du nombre de termes péjoratifs, la proportion du nombre de termes péjoratifs à l'intérieur de cette strophe. Voilà. Il va renverser en fait les Antilles qui sont perçues comme
c'est des cocotiers. Hein. C'est déjà comme ça. Puis en plus, il y a, toute une école de littérateurs doudouistes, enfin, Césaire va les appeler les doudouistes, qui viennent corroborer cette perception comme ça ultra lénifiante de ce que peuvent être les Antilles. Et là, en fait, lui, au contraire, il va montrer que derrière ce décor, là, qu'est-ce qu'on a ? On a des gens qui souffrent, on a des gens qui ont faim, on a des gens qui n'ont rien, hein, et on a des gens surtout qui ont été déportés. La mère, par exemple, chez Césaire, est toujours associée à la traite et à la déportation. La forêt est associée, elle, au marronnage. Hein, et les paysages cultivés sont systématiquement associés à l'esclavage. Donc, on voit bien que le paysage et la nature lui permettent de dire, finalement, ce qu'a été véritablement l'histoire des Antilles. En même temps, et c'est ça qui est peut-être, c'est ça qui est porteur de cette vision écologiste de Césaire, c'est qu'il opère aussi une rupture avec la vision statique que l'Occident a de la nature, une vision essentiellement utilitariste et statique de la nature. Chez Césaire, vous ne trouverez pratiquement pas d'adjectifs de couleur. Quand il décrit la nature, il l'a décrit, alors c'est vrai que ce sont des procédés qu'on va qualifier de surréalistes, mais peu importe, il va rapprocher des mots qui, a priori, n'ont strictement rien en commun, hein, c'est un procédé surréaliste, et ça va lui permettre, comme ça, d'évoquer la couleur d'un espace, mais en rapprochant un minéral, par exemple, ou en faisant correspondre un minéral avec un espace, il va nous dire que cet espace est blanc, mais il ne va pas utiliser l'adjectif de couleur. Et ça, c'est important, en fait, parce que ça donne du mouvement, ça donne du dynamisme à sa description du paysage et de la nature. Et les objets de la nature sont transformés eux-mêmes en objets vivants. L'arbre, par exemple, c'est toujours chez lui le symbole de la révolte ou de la refondation. À force de regarder les arbres, je suis devenue un arbre. Et mes longs pieds d'arbre ont creusé dans le sol de larges sacs à venin de haute ville d'ossements. À force de penser au Congo, je suis devenue un Congo bruissant de forêts et de fleuves, où le fouet claque comme un grand étendard, l'étendard du prophète, où l'eau fait l'Ikuala, l'Ikuala. L'Ikuala, c'est une région au Congo, en fait. Et donc, l'arbre, c'est à la fois cet élément qui lui donne cette forme démiurgique de réinventer le monde, et en même temps qui le ramène vers l'Afrique, vers le Congo, hein, et donc qui lui permet de redire ce voyage du milieu, des esclaves. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que du coup vous voyez maintenant, alors j'ai pas le temps de creuser tellement ça parce que c'est pas du tout dans ce sens-là que j'étudie Césaire, mais il y a maintenant une critique écologiste de la littérature de Césaire qui commence à apparaître, en particulier une américaine qui s'appelle une anglaise pardon qui s'appelle Ursula Hayes. Et qui est prof à Stanford. Et elle montre très bien justement que la perception que Césaire a de la nature est une perception qui est déjà une perception écologiste, dans la mesure où pour Césaire, la nature est un être vivant, d'abord, donc il n'a pas du tout cette perception statique. C'est un être vivant, que la relation entre les individus et la terre est fondamentale, et que justement le crime colonial, il a aussi consisté dans le fait de rompre cette relation entre les individus et la terre. Et donc, on est aux Antilles dans des sociétés qui se sont constituées hors d'un rapport séculaire à la terre et à son exploitation. Et que ce dynamisme de la nature lui évite aussi le piège de l'essentialisation. C'est-à-dire que l'identité antillaise, jamais Césaire ne l'essentialise. Elle se construit dans le dynamisme, mais elle n'est jamais essentialisée. Il n'y a pas chez lui, par exemple, jamais de superposition de
corps humain, métaphorique du corps humain avec la nature. Jamais. C'est pas les licenciés sont comme ça parce que la nature est comme si. Et ça, c'est particulièrement. Ça peut nous aider même à repenser l'idée écologiste, parce que cette idée écologiste, par exemple, qui, à l'époque où Césaire écrit, est une idée qui se centre sur la nature est faite de biosphères, et ces biosphères sont chacune très structurées et organisées, est une idée qui n'existe pas du tout chez Césaire, où au contraire, les éléments naturels, d'une certaine manière, appartiennent à des cosmogonies beaucoup plus larges et s'interinfluencent les uns avec les autres, et l'homme étant pensé comme un de ces éléments. Et c'est finalement ce que tous les écologistes aujourd'hui disent, c'est-à-dire que bien évidemment ces biosphères fermées comme ça n'existent pas et que le monde naturel est constamment en mouvement. Et donc c'est intéressant de voir que, est-ce que c'est, ça, je pense que moi j'ai la pratique que j'ai pu avoir de Césaire quand j'allais chez lui gamine, c'est que tous les matins il allait travailler, bon, et puis à une certaine heure il se faisait emmener par son chauffeur sur les routes du nord de la Martinique, et il allait voir les arbres. Il avait une passion absolue pour les arbres, et il allait voir les arbres. Et quand on disait lui, papa aimé, il est parti voir les arbres. Et je crois que, est-ce que ça lui vient de cette espèce de passion qu'il avait pour la nature? Est-ce que ça lui vient aussi de ce qu'il pouvait lire des premiers ethnologues sur l'Afrique, comme Frobenius, sa femme Suzanne Césaire, très intéressée par tout ça, qui lisait beaucoup ce que les premiers ethnologues africanistes pouvaient écrire? Est-ce que ça lui vient de son position, d'une position pas systématique, mais enfin, il s'opposait quand même au discours occidental? En tout cas, dans sa poésie, on retrouve une perception de la nature qui n'est pas du tout occidentale et qui est même contradictoire avec la façon dont l'Occident, majoritairement, hein, les mouvements minoritaires, on ne pas les choses comme ça, bien sûr, mais dans l'Occident, c'est majoritairement la nature. Voilà. Merci. Je parlerai de la négritude et du rapport que la Cour a porté sur le continent africain et la pensée aussi de certains leaders, des premiers leaders africains, parce que beaucoup des pères indépendantistes africains qui sont inspirés de ces pères et ces voix. Les deux hommes se sont rencontrés au lycée de Grand Lui, c'est ça. Oui, lui les grands, pardon. Lui les grands, donc, comme définissait Senghor, parce que Senghor disait que c'est Césaire qui a d'abord défini le mot négritude. Il disait que c'est l'ensemble des civilisations du monde noir, tout simplement. Quel peut être le but d'un écrivain noir, d'un homme noir ou d'une politique noire? Ça, c'était ce que disait Senghor par rapport à Césaire. C'était la définition de Senghor sur la négritude, mais qui a été définie d'abord par le Seigneur. Donc Césaire disait aussi qu'avoir des esclaves n'est rien. Avoir des esclaves, pardon, n'est rien. Ce qui est intolérable, c'est d'avoir des esclaves en les appelant citoyens. L'idée pour Césaire, il s'opposait à cette manière de voir que la société était divisé, parce que la négritude elle a permis un peu à certains premiers leaders africains noirs comme Senghor, comme l'épaule Senghor, comme Ofori Boigny, comme Modibo Keïta, où ils se sont inspirés de ça, parce que à l'époque où Césaire parlait de la négritude, les premiers intellectuels noirs africains ici en France se sentaient un peu en recul, ils avaient du mal parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de l'intégration de l'homme noir dans la société française. Parce qu'ils faisaient déjà partie de l'Empire. L'Empire française, ils étaient colonies, il n'y avait pas eu d'indépendance d'abord à cette époque. Donc, la négritude a permis à ces leaders, à ces premiers leaders africains, de se montrer, de donner cette
identité noire, cette valeur. Parce que noir, déjà, ça faisait, à un moment donné, ça faisait peur à une époque où les premiers intellectuels, les pères indépendants, les pères des indépendantistes africains avaient du mal à accepter leur identité. Donc l'idée pour Sévère, c'était de voir, de donner à un noir cette envie de s'aimer et aussi d'accepter aussi la différence culturelle ou je ne sais pas les couleurs qui peut s'imposer, mais tout en acceptant cette différence de couleur, en acceptant cette différence de couleur noir, blanc, jaune ou rouge, mais en s'inscrivant dans l'identité, dans l'humanisme, le fait de dire que je suis noir ou je suis blanc ou je suis jaune. L'idée pour César, c'était pas ça. L'idée, c'était de trouver une solution commune entre les hommes. À l'époque, ils vivaient dans une société très, très marquée par des cultures différentes aussi, et puis en réalité aussi des modes de vie différents, mais qui voulaient aussi appartenir à l'Empire, si je me permets le terme, l'Empire française, parce que c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, donc la Réunion et puis la Guyane aussi. Mais il y a aussi l'Afrique noire en question, parce que l'identité du peuple noir, parce que moi j'ai connu Césaire quand j'étais au lycée, j'avais 17-18 ans, je suis rentré au lycée, parce que nous avons un programme où nous étudions Césaire pendant 3 ans jusqu'au bac. Donc on étudie Césaire, je sais quel apport ça fait sur la jeunesse africaine, je sais que ça a des apports, ça a eu des impacts sur nos pères indépendantistes, parce qu'ils ne s'inspirent pas tous, hein. Mais là, la plupart qui se sentaient noirs, qui aimaient cette identité noire, qui aimaient aussi ce métissage de couleurs, parce que quand on négritique, c'est aussi l'ensemble des civilisations, de valeurs noires, aussi de cultures différentes, parce que la négritude, c'est pas aussi la table rase de la culture noire ou de l'identité noire, mais l'acceptation des autres, le savoir vivre ensemble. Et je parlerai d'une petite parenthèse d'un leader africain comme Sékou Touré, qui disait par rapport à la négritude, et toutes les hommes, toutes les valeurs, toutes les civilisations, toutes les valeurs résultent de l'acte de communication entre hommes et hommes et entre peuple et peuple. C'est vrai que chacun de nous font partie de l'homme ou des peuples, et tous les peuples font partie de l'humanité. Donc, l'idée de la négritude et puis le rapport de négritude écologique, je pense que, comme l'a souligné tout à l'heure Bénédicte, c'est la préservation aussi de cette identité, de cette faune et puis de cette culture aussi. De s'accepter et puis aussi être ouvert aussi à la culture, c'est ça la négritude. C'est pas seulement une identité noire où on est je suis noir, je suis bien, non, c'est pas ça. L'idée, c'est l'acceptation, c'est le métissage en même temps, quoi. S'accepter et accepter les autres dans sa différence aussi. Donc, Césaire, moi je pense que Césaire, ça m'a personnellement, les écrits de Césaire, ça m'a beaucoup aidé. Le message de Césaire, parce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité, quoi, c'est pas parce que ça date de 60 ou de 40 ans ou de 50 ans, c'est pas ça, mais l'idée est toujours d'actualité parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où les mêmes risques qui existaient à l'époque, ce sont les mêmes risques qui sont là aujourd'hui. Ces risques de différence, c'est de dénonciation de l'autre, ces risques de se sentir un peu à l'écart, de se mettre dans son petit coin. L'idée pour lui, c'est pas ça, c'est pour cela que je me dis que c'est tout à fait normal et logique pour nous de continuer à défendre la mémoire d'un tel homme qui a su faire tellement de grandes choses, pas que lui, c'est bien, beaucoup qui en ont fait. Mais par rapport à l'acceptation de l'identité et puis noir, il a fait énormément de choses, donc je pense qu'il y a. On ne peut pas finir de dire ce que Césaire a pu faire ou certains de ses compagnons, camarades de lutte ont pu faire
Je prends l'exemple sur Serva parce que je sais que les deux hommes étaient très très proches. Ils ont fait énormément de choses ensemble. Donc la négritude, je pense que vu l'ère actuelle où nous vivons, ça devrait être comme ça a toujours été l'acceptation de l'autre tout en s'acceptant soi-même dans ses propres valeurs, dans ses propres identités, sans renier l'autre. Parce que ce qui est très délicat aujourd'hui, c'est que ces valeurs-là, on a tendance à les oublier. C'est des valeurs qui sont universelles, c'est pas que françaises ou africaines. C'est partout, c'est universel. On ne peut jamais se lasser de ces écrits. C'était un poète aussi, c'était un grand homme politique, en 40 ans. Il a été rapporteur au Parlement sur l'outre-mer. Donc, pendant 40 ans, il a essayé d'améliorer les choses, pas que pour l'outre-mer, mais pour l'homme même en tant que tel. Parce que l'idée pour lui, c'était inacceptable de voir une société qui faisait partie de l'Empire et qui n'avait pas de nécessité. Le minimum vitaux n'existait pas. Par exemple, dans le département, quand on le prend à l'époque, il s'est bâti énormément pour l'instauration de la sécurité sociale en Martinique et en Guadeloupe. Et ça a posé pendant 40 ans, pendant plus de 20 ans ou 25 ans, ça n'a pas pu se faire. Donc, il est temps. Je me dis que c'est une chance pour nous de parler de ça. En 2014, c'est de faire le lien entre l'écologie et la négritude. La négritude et l'acceptation de la culture de pluie, la différence aussi, s'assimiler ensemble, pour créer ce qu'on peut appeler savoir vivre ensemble. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup à dire, mais je pense que ce sont ces quelques mots que je peux dire, comme il a toujours dit, il ne faut jamais qu'on oublie. Esclave, un esclave. Comme il dit, avoir des esclaves, mais ce qui est intolérable, c'est d'avoir des esclaves en les appelant citoyens. Chacun de nous est des citoyens. On a dépassé, je pense qu'on est à un moment de notre existence, de l'histoire de l'humanité où on ne peut plus continuer à avoir le monde de cette petitesse. Je pense que c'est parce que Césaire et Senghor, ou des leaders européens ici qu'on pensait. Donc c'était un combat. Le combat de créer cette vivre ensemble, de pouvoir créer ce savoir de vivre ensemble. Donc on a besoin de pouvoir le faire. Voilà. Merci beaucoup. Deux choses pour reprendre tout de suite ce que disait. Alors, je ne sais pas si vous avez, dans mon espèce de texte, j'ai parlé à un moment de soleil haut et de med en dos, alors peut-être ça ne vaut rien du tout pour les hommes. Si oui, quand j'étais étudiant, j'ai connu qu'il faisait du doublage de synchronisation de films, des postes de synchronisation. Oui, mais à l'origine, c'est un grand réalisateur. Après, il a fait réalisateur, etc. Ouais, il était réalisateur dans les années 60. Il a fait partie de la troupe des Griots avec Robert Vinceau, pour laquelle Jean Genet a écrit Les Nègres. Et effectivement, dans le film Soleil et Eau, c'est un peu la troupe qu'on suit de manière. Avec une façon de filmer un petit peu surréaliste, enfin assez moderne. Il a gagné d'ailleurs le prix du Léopard d'or de Locarno au Festival de cinéma. Mais donc c'est un film assez intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la troupe, c'était une troupe qui n'était pas du tout fermée au noir, au blanc, je veux dire. Donc il y avait un blanc dans la troupe, effectivement, il y a cette scène que j'évoque personnellement, mais. Qui est assez amusante en même temps, une espèce d'humour assez cinglant, où après avoir rencontré un producteur blanc, la troupe noire sort et par un hasard assez fortuit, un des acteurs blancs de la troupe se retrouve là et le producteur lui dit bon, c'est un peu compliqué avec.
alors pour les bananiers, normalement, enfin, bon, on va pas rentrer dans les détails des problématiques que je trouve assez graves personnellement de EP, mais au fait du Vendre là aussi, peut-être plus été de toute façon, mais tant pis, il aurait eu moins sa chance. L'ex-député européen Jean-Jacob Lisset, qui a fait énormément un avis pour il a fait tout un colloque sur la lycophobie, qui était assez fort. Alors il y a beaucoup de controverses là-dessus, hein. Il y a eu pas mal de choses sur le dos, mais il semblerait que quand même sa lutte contre l'épandage massif en Martinique fait que certains Pascal Durand et préféré qu'il ne soit pas sur la liste. À éclaircir, hein. Mais il y a quand même des choses pas très claires là-dedans. Il y a eu des menaces. Oui. Mais après, ça a été répercuté au niveau européen. On a préféré. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Bon, alors après, on peut parler aussi de sa personnalité, etc. Mais c'est facile. De on ne manque pas d'adhérents à personnalité. Pardon ? On ne manque pas d'adhérents à personnalité. Exactement. Enfin, pour ainsi dire, de très nombreux. Mais voilà, enfin voilà. Donc ça, c'était. Frédéric, parce qu'on veut poser des questions. Mais d'accord, c'est tout à fait ouvert. Est-ce que. Le fil du Mali. Oui, je suis. Est-ce qu'il y a l'impression réelle d'un avant Césaire et d'un après Césaire? Est-ce que c'est concret dans l'esprit justement des Africains, des jeunes, je parle plutôt par rapport aux jeunes, plutôt que de ceux qui ont connu peut-être Césaire et qui ont vu l'évolution? Parce que maintenant, parce que c'est enseigné au Mali, mais oui, peut-être dans d'autres pays d'Afrique aussi, dans les pays francophones, c'est enseigné. Est-ce qu'ils ont une conscience réelle de l'avant et après Césaire? Parce que la perception que j'en ai, pour en avoir en tant que petit blanc, c'est qu'il a donné une conscience, donner conscience au peuple noir de son histoire. Est-ce que c'est juste? Est-ce que jusqu'à là, c'était. Enfin, alors, peut-être plus précisément aux Antilles, où il y a eu c'est né quand même sur l'esclavage. L'Afrique a aussi son histoire de l'esclavage, mais peut-être pas forcément la même. Et est-ce que, jusqu'à présent, le peuple noir se voyait comme le peuple victime, peut-être victime perpétuelle de la part des Blancs? Et est-ce que, avec les écrits de Césaire et cette vision, cette négritude, ça a permis au peuple noir de dire mais on existe à part entière, on a aussi une histoire qui est là, un vécu, on est nègre, mais avec quelque chose qui nous est propre et qu'on veut intégrer dans l'humanité comme ça. Est-ce que ça, c'est flagrant chez les jeunes Africains aujourd'hui? Oui, je pense que, après Césaire, je ne parle pas de toute la jeunesse africaine, non, je parle en général du Mali, que je connais très bien, la Guinée aussi. Je sais que ça a apporté quelque chose, parce que Césaire a su donner, pas seulement aux négritudes ou aux jeunes noirs, mais à des gens humains, il a su leur donner moins de combats. Parce que moins de combats, c'est d'abord quoi? C'est d'abord l'instruction. Parce que quand on est instruit, on est capable aujourd'hui de pouvoir aussi dire ces mots. Je pense que Senghor, je ne parle pas de la génération, mais de ma génération, elle a apporté énormément de choses. On ne va jamais aller se dire que ouais, c'est parce que je suis noir ou c'est comme ça. Non. Quand on se donne les moyens nécessaires pour aller de l'avant, je ne sais pas quelle qu'en soit la couleur, ça peut aller. Ce n'est pas parce que je suis noir ou parce que vous êtes jaune ou ça. Non, mais le combat, ne jamais abandonner, toujours revendiquer, c'est légitime parce que même par rapport à la démocratie, Césaire disait que
bien avant l'arrivée d'une démocratie occidentale, il y avait aussi une démocratie à l'africaine. Au sens qu'il y avait une administration, il y avait les rescalistes. Ce n'était pas aussi structuré, organisé comme ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une démocratie à la mer qu'on veut expliquer. Ce n'est pas du tout vrai, mais on peut dire par rapport à certaines époques que c'est vrai aujourd'hui. Mais ça a changé quoi. Moi, dans ma conception personnelle, dans la conception de mes amis qui sont autour de moi, avec qui j'ai fait le lycée ensemble, c'est la lumière, parce que ses écrits, c'est un espace différent. Quand tu le lis, ça te donne vraiment une soupape et tu dis quoi là, de se dire que oui, c'est possible. Il a changé quelque chose, il n'a pas fait beaucoup, mais il a su apporter, parce que ce n'était pas évident à l'époque de s'opposer à d'autres, je ne sais pas, les mêmes gens qui exploitent ici, ce sont les mêmes qui exploitent là-bas aussi, c'est pas, c'est, ils sont identiques. Mais il a su lever les voix, il a su le faire. Donc je pense qu'il est dans la lecture de la poésie de ses aides ou de ses politiques. Je pense que ça peut être un moyen de. Et si ça, et c'est dit que oui, c'est possible, parce que ça ne s'est pas passé en 2010, ni en 1980, mais ça s'est passé bien avant tout ça, dans les années 60. Bien avant 60. En même temps, il faut faire attention à partir de réponses anachroniques. C'est-à-dire que Césaire, quand il pense les études, d'abord, lui, il dit qu'il a pensé un jour dans le 13e arrondissement, il y a un type qui a baissé la vitre de sa voiture et qui lui a dit ça nègre. Il est entré, il lui a répondu une nègre en merde, et donc il est entré, il en a parlé avec Saint-Laurent. Mais je crois que le problème des Antillais n'était pas du tout le même que le problème des Africains par rapport à ça, et d'ailleurs, ils en ont beaucoup parlé, Césaire en a beaucoup parlé, et Saint-Laurent aussi. Chez les Antillais, il y avait un complexe profond du fait d'être noir qui était lié à cet héritage esclavagiste. On disait d'un enfant qui naissait clair, Timama aimait la peau sauvée. Timama aimait la peau sauvée. Moi, quand je suis née, ma grand-mère, elle était absolument ravie parce que j'étais blanche et ma grand-mère antillaise. Donc, le plus étonnant, c'est qu'elle l'a dit à une autre grand-mère qui, elle, était blanche et qui l'a regardée d'un air effaré en se disant qu'est-ce qui lui arrive. Elle est complètement folle. Mais elle était ravie parce qu'elle avait une petite fille qui était née effectivement la peau sauvée. Et donc il y avait ce complexe terrible chez les Antillais d'être noir, puisque dans la hiérarchie sociale antillaise, plus on était noir, plus on était du fond du gouffre. Ce qui n'était pas le cas chez les Africains. Donc voilà, la perception n'était pas tout à fait la même. Par contre, dans le monde contemporain, et en particulier avec les décolonisations, l'absorption des sociétés africaines, indépendants à la mondialisation. Leur périphérisation et leur marginalisation de plus en plus, parce que tout à l'heure tu as parlé de démocratie, mais en Afrique il n'y en a pas de démocratie. C'est très clair, en Afrique il y a des gouvernements qui sont essentiellement organisés de telle façon à satisfaire le pouvoir économique et politique qui entendent maintenir leur prébende, leur prérogative sur les richesses en Afrique. Donc l'Afrique, pour l'instant, c'est à peu près comme ça partout. Oui, je pense qu'il y a une démocratie en Afrique. Après, au Mali, au Bénin, au Sénégal, il y a un peu des choses qui se passent. Mais, enfin, au Mali, donc, les intérêts de la France sont en cause, tu vois. On ne tarde pas à intervenir. Et donc, je crois que l'Afrique, par contre, a été complètement au XXe siècle, l'espoir qu'avait soulevé les indépendances africaines est retombé très vite et l'Afrique a été totalement marginalisée, elle n'a aucune voix au chapitre sur le plan international. Heureusement que l'ONU existe parce que c'est le seul endroit où effectivement les peuples africains peuvent s'exprimer et c'est pour ça qu'on revient. Même là-bas, ici, ça se trouvera de l'ONU aussi. Donc, même là-bas, c'est compliqué, Donc, voilà, l'Afrique a été totalement marginalisée et je pense que dans ce contexte-là, d'une certaine manière, l'œuvre de Césaire doit résonner encore davantage, presque aujourd'hui, qu'elle ne résonnait à l'époque. Par contre, ce qu'il faut dire quand même sur Césaire, parce que ça c'est important, c'est que Césaire, c'est l'écrivain contemporain français le plus traduit au monde. C'est l'écrivain contemporain français sur lequel on fait le plus de thèses dans le monde. Alors, c'est l'écrivain contemporain français qui est le plus étudié dans le monde, partout sauf en France. Il est étudié en Angleterre, il est étudié aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les études césariennes, qui sont très, très importantes. Moi, parmi les universitaires que je lis quand je travaille plus sur Césaire, je travaille sur les Africains américains, quand je travaillais sur Césaire, j'ai lu beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais,
au Vietnam, il était sur ses ailes, il a été très important, effectivement, ça tu l'as dit, dans toute la sphère colonisée, parce qu'il a, il a servi la révolution anticolonialiste. C'est l'écrivain auquel on a dédié le plus d'ouvrages. Si on compte juste le nombre de dédicaces, c'est l'écrivain. Et il est totalement ostracisé en France, ignoré en France. Et c'est très difficile de faire un cours en France sur la nécessité. C'est un truc que je ne savais pas, ça c'est Félix qui m'a appris ça, parce que quand je voulais préparer ça, j'ai dit à mes amis étudiants ici, je les ai parlé, mais ils ne connaissent pas du tout Césaire, quoi. Ils connaissent Césaire dedans, mais ils ne connaissent pas du tout quand tu vois quelqu'un qui connaît Césaire, parce qu'il a dit, tout ce qu'on ne parle pas, mais on ne les enseigne pas ici. Il est au programme depuis pas longtemps, mais on ne l'enseigne que très peu, parce que les profs eux-mêmes n'ont pas été formés, et que lire Césaire, c'est étonnant, c'est-à-dire que ça peut être à la fois une expérience, ce que je disais à Frédéric Guillard, Chamoiseau par exemple, il a écrit un bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Écrire en pays de l'oubli. Et il ouvre son livre en racontant une anecdote quand il était encore éducateur. Il allait dans une prison en particulier, en région parisienne, donc il était à la Martinique. Et je crois que c'était à Florine d'Orbit. Et il visite un prisonnier qui lui dit, mais j'ai lu le cahier d'un retour au pays natal de mes Césaire, est-ce que tu connais, c'est génial, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, ça nous garde des horizons incroyables. Et le type avait, c'était le premier bouquin qu'il lisait, quoi, pratiquement, c'était le premier livre que le type lisait. Et ça lui avait dit quelque chose. Et donc, chez Césaire, on a ces expériences comme ça, de gens qui sont quasiment analphabètes, pour dire des choses, et qui ont une espèce de syntonie, c'est pas quelque chose qui se passe, une fulgurance avec le texte de Césaire. Et puis, par ailleurs, sinon, si vous voulez faire une lecture rigoureuse de Césaire, vous ne pouvez pas la faire sans un dictionnaire à côté de vous. Quoi. C'est extrêmement... Tous les deux mots, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi? Et en fait, c'est ce que je disais à Pierre, il n'y a aucun néologisme. Tous les mots sont extrêmement précis. Il les entraîne... On va en glossaire. Voilà. On va donner un exemple. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de savoir que ça ne reste pas juste un objet d'étude, quoi, qui est une influence. Sur l'esclavage en Afrique, attends, juste sur l'esclavage en Afrique aussi, parce que je viens de lire un bouquin que je conseillerais à tout le monde sur ça. C'est le bouquin de Léonora Miano, qui s'appelle La saison des ombres. Et Léonora Miano, c'est une écrivaine française contemporaine que j'aime bien sa radicalité. Elle est camerounaise, franco-française, franco-camerounaise. Et il a été publié chez Grasset, elle a eu le prix féminin pour son livre. Et c'est un bouquin exactement sur ce moment du basculement en Afrique où on va passer d'un commerce avec les Européens où éventuellement, de temps en temps, on n'échange pas seulement que du bois, mais on échange avec des arbres. Puisque les sociétés africaines, comme toutes les sociétés, les sociétés africaines sont des sociétés esclaves. Mais l'esclave, c'est le prisonnier de guerre. Et c'est le prisonnier de guerre qu'on ne soumet pas à un régime d'absolue violence et barbarie, comme ce qui va se passer ensuite dans les Antilles. Alors ces prisonniers de guerre, au début, entre les peuples de la côte africaine, hein, moi j'avais travaillé sur le Wolof un temps, bon, on accepte d'en échanger quelques-uns. Mais très vite, l'appétit des Européens est insatiable, et finalement ça commence un peu à bouleverser les sociétés, et se met en place la traite. Avec évidemment la complicité des aristocraties locales, qui ont gagné quelques décennies de sursis, elles ont compris que ça ne va pas durer longtemps, mais elles ont gagné quelques décennies de sursis. Et Miano raconte très très bien ça dans son bouquin. Et ce qui est étonnant, ce que j'ai appris dans son livre, je ne savais pas, c'est qu'il y a des villages de fugitifs qui vont se créer en Afrique, et donc des sociétés d'esclaves barons qui se créent en Afrique. Parce qu'en fait, entre le moment de la razzia, ensuite quand ils sont amenés sur les côtes et qu'ils attendent et tout, ben, y en a qui réussissent à s'enlever. Et ils vont créer des villages dans des zones marécageuses. Oui, oui, des villages par exemple. Comment ? Loin de Ouida. Voilà. Et c'est assez étonnant à lire, quoi, parce que vraiment, là, tu te rends compte qu'il y a une histoire africaine de l'esclavage, en fait. Il y a vraiment une histoire. Mais justement, est-ce que cette histoire, est-ce qu'on parle en Afrique de ça ? Parce que c'est... C'est... Oui, de...
il y a même des mouvements. Ouais, ouais. Donc c'est voilà, la porte de. Jusqu'à là, il n'y a pas de l'esclavagie, c'est pas un truc, ça existe aussi dans les sociétés africaines. Et puis, oui, ça continue jusqu'à là aujourd'hui. Oui, au Mali, même au Mali, pas même au Mali, il y a toujours des trucs, il y a des gens qui ont des esclaves. Mm-hmm. Les Noirs du Mali, les Touaregs du Mali, c'est pour les Peuls, c'est des ethnies différentes, les Peuls, les Souaregs, les Touaregs, ça continue toujours. Mm-hmm. Jusqu'à là aujourd'hui, ça continue. On n'en parle pas trop, ça continue, ça glisse. J'étais dans un village de Bon où on enseignait. Un enfant peul n'avait pas le droit d'entrer dans la classe. Ah oui? Les enfants eux-mêmes? Non, mais oui, c'est ça. Parce que, en plus, c'est accepté par tout le monde. Très puissant. Ouais, on est hors, on se permet de juger ailleurs quand on est dans une forme de soi-même. Il y a des choses qui se passent, c'est dommage, quoi. Ça, c'est le combat aussi qui doit. Tout le monde doit s'impliquer, c'est pas un seul pays qui peut faire parce que c'est 2-3 personnes qui veulent changer, mais en réalité, la majorité des gens qui ont le monde, c'est qui profitent de faire ça parce que c'est les soirées, les peuls, c'est qui ont plus de moyens malgré, ou même les sommités, souvent, c'est rare quand même, mais les sommités, ils le font aussi. À part les barbares, sinon, toutes les ethnies, ils le font pas. Seuls les barbares, ils le font pas. Sinon, toutes les autres ethnies au Mali, ils le pratiquent. On n'en parle jamais. C'est marrant parce que j'ai déchiffré un groupe local en parisien. C'est marrant parce que je suis aussi en lien dans le milieu associatif avec des associations africaines. Et donc avec des associatives africaines. Une association qui dit tout va bien, mais des associatives, c'est autre chose. Et ils ne comprennent pas, ils voient les Antillais comme des Africains peut-être. Ils ne comprennent pas, la plupart du temps, c'est un peu globalisé. La plupart du temps, très spontanément, ils ne comprennent pas pourquoi les Antillais tiraient sur point à se distancier des Africains. Ou pourquoi les Antillais sont à ce point, il est à ce point difficile d'établir une solidarité associative avec les Africains. Et notamment sur l'histoire de l'esclavage, que je peux avoir comme échange très rapide avec des gens qui ne sont pas universitaires, qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément pris le temps de lire des livres là-dessus, mais qui sont quand même responsables associatifs. Et qui sont responsables associatifs. vous voyez comme c'est vous-même. Ils disent, ce sont les frères. Ils sont partis en esclavage, mais ce sont les frères. Donc, pourquoi les gens ne sont pas attentifs? Et donc, il faut que je leur explique avec mes petits mots, moi, parce que je ne suis pas forcément universitaire, on ne revient pas sur ces questions. Que globalement, les Antillais ne sont pas noirs, sauf quand ils arrivent à l'Afrique. Heureusement, à peu près absolument rien à taper. Et au
enfin, sauf évidemment quand du coup ils se confrontent à des choses très réelles comme ça, ou ponctuellement des personnes, je dirais, qui peuvent que se trouver choquées. Mais globalement, au niveau du discours associatif, on a enfin, de temps en temps quelques déclarations plus claires pour le principe. Mais, par exemple, le 30 novembre dernier, suite au banal de ces prises de Christian Taubira, symboliquement, mais quand même, et donc suite à ça, c'était le courant du travail. Et suite à ça, tu as quelques associations de Tramarine qui se sont dit, tiens, alors elles avaient du mal parce que Taubira s'était quand même battu pour les homosexuels, et du coup quand même, c'est difficile de l'aider, mais il ne faut pas exagérer. Mais finalement, quand même, ça les a un peu touchés, donc ils se disent, on va faire une manifestation de solidarité avec Taubira sur cette histoire raciste sur laquelle se mobilisent très peu les associations ultramarines. Comme je disais, ils ne sont pas noirs, sauf dans les favoris. Et donc, ils se sont dit, on va faire une manifestation contre le racisme au lycée Taubira. On va essayer d'associer, pour éviter d'être 200, les grandes associations antiracistes, c'est-à-dire en gros, SOS Racisme et l'AIDH, et le MAP. Bon. Alors finalement, il y a eu un semblant de collaboration. Et je dis ça comme ça pour la fin, je dévie un peu, mais je m'arrête là. Il y a eu un semblant de collaboration, mais finalement, en fait, ce qu'on a retenu de cette manifestation, c'est que SOS Racisme, l'AEDH et l'Union des étudiants juifs de France avaient manifesté contre le racisme et l'antisémitisme, et surtout contre le dénigrement de l'État d'Israël. Et il y avait l'AEDH avec tous ses drapeaux EDH, il y avait SOS Racisme avec tous ses drapeaux SOS Racisme, et l'histoire des Antillais là-dedans, la présence entière a été totalement occultée par les dépêches AFP, qui ont parlé du SOS Racisme, de l'UEJF et de l'AEDH, et par les médias, par les télés, bon, sauf le journal de Français, l'RFO, etc. Le grandeur et misère de la construction d'une solidarité effective, enfin, voilà, et donc du concept de l'UEJF quelque part. L'initiative de Frédéric était superbe, moi elle m'a surprise quand il m'a proposé de faire ça. J'étais étonnée parce que c'est vrai qu'il y a un intérêt absolument dérisoire pour Césaire, pour son œuvre politique. Alors un peu évidemment dans un sens universitaire, hein, enfin, bien sûr, pas exagéré quand même, il y a. Mais par contre, dans les partis politiques, on va trouver ça à l'extrême gauche. Tu vas trouver aussi quand même. Moi, Ben Saïd, c'était quelqu'un qui connaissait très bien. Ben Saïd, c'était le penseur de la SLF, qui connaissait très bien le Césaire, par exemple. Tu vas trouver ça un peu extrême gauche. Mais chez les communistes, ils sont très gênés avec Césaire. Parce que c'est compliqué, c'est terrible, c'est compliqué. Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en revendique pas? Est-ce qu'on en a? Et les autres partis politiques, ils ignorent. Il y avait aussi le conflit avec Armand, quand même, au niveau de la littérature. Qu'est-ce que la littérature communiste est? Est-ce que la poésie, ça doit être une poésie directe à l'Aragon ou une poésie directe à la Césaire? Bon, Césaire, il avait tranché pour l'Aragon, ça avait été manipulé, ça n'apportait pas justement ce que tu dis très bien avec cet imprisonnement qui vient du Césaire et qui trouve quelque chose. Césaire avait peut-être conscience aussi qu'à travers la complexité de son langage, il y avait quelque chose qui émergeait, une force qui arrivait, même si on ne comprend pas tout le monde, mais c'est pas grave. Autre question, excuse-moi. J'en profite pour élargir quelque chose à personne, donc pardon. Là, on a essayé, dans une association franarienne où je suis, de réagir sur l'histoire palestinienne, là, en mettant en avant la figure de Franz Fanon. Bon, guide à peu près total dans la communauté ultramarine, qui ne sait grosso modo plus qui est Franz Fanon. Ceci dit, un truc que je ne sais pas, c'est est-ce que Fanon et Césaire se sont parlé? Parce qu'on croit que Fanon ne s'inscrivait pas dans l'écriture. Alors, d'abord, Césaire était son prof, il était à l'école. D'accord. Voilà. Donc ils se sont parlé. Au moins, Césaire a parlé, c'est sûr. Césaire a écrit un poème qui s'appelle Franz Fanon. Ils se sont parlé.
parlé aussi au premier congrès des écrivains noirs qui a eu lieu à la Sorbonne et le deuxième qui a eu lieu à Rome, mais je crois que le deuxième, le canon est en train de mourir, il est très meurt. Je ne sais pas comment dire, il a été actif dans le deuxième, mais en tout cas au premier, ils étaient ensemble et ils se sont parlés. C'est-à-dire que la négritude, moi j'en ai pas parlé parce que je savais que je l'avais fait, mais la négritude de Césaire et la négritude de Saint-Gore, par exemple, c'est quand même deux choses assez différentes. Mais il faut reconnaître à Césaire et à Saint-Gore d'avoir été toujours fidèles à leur amitié et de n'avoir jamais voulu attiser les différences qui existaient entre eux, mais si on travaille les textes, il y a vraiment une différence fondamentale dans l'appréciation de la négritude. La négritude césarienne, il disait toujours si. La négritude comme théorie, non. La négritude comme métaphore, oui. C'est-à-dire que la négritude, ce n'est pas du tout une volonté d'essentialiser une quelconque identité. La négritude, c'est un cri, c'est une révolte, c'est un moyen de renvoyer à l'autre l'insulte qu'il m'a jetée, c'est un moyen de renverser l'insulte. On connaît ça avec les homosexuels, on connaît ça très bien, c'est le procédé qu'on utilise tout le temps. Quoi. Donc c'est son dernier entretien. Ça s'appelle Nègre, je suis et Nègre, je resterai. C'est vraiment, on sent chez lui cette volonté absolue de revendiquer cette histoire. Mais derrière ça, en fait, qu'est-ce qu'il revendique? C'est pas une couleur de peau, c'est une histoire. Et c'est pour ça que dans le cahier, on va trouver l'histoire de cette petite fille, Emmanuelle, on va trouver Emmett Till, on va trouver tous ces gens qui n'ont en commun que d'être des dominés et des exploités d'une histoire coloniale. Donc la négritude césarienne, c'est d'abord un cri et c'est d'abord la métaphore de révolte, d'un renversement. Je prends l'insulte que tu m'as jetée au visage, je te la renvoie, et en te la revoyant, je la resignifie. Je lui donne un sens qui n'est pas celui qu'elle a pour toi. Je lui donne un sens qui permet que j'existe à nouveau face à toi, debout. Quoi. Donc elle ne s'adresse pas forcément au noir. Ah non, pas du tout. Parce que c'est une prolongation du dadaïsme culturel. C'est l'univers. Pas du tout. Et là-dessus, Fanon était. Et bon, alors il y avait une différence là-dessus, parce qu'à l'époque de Fanon, en plus, Césaire était peut-être moins. L'amitié avec Saint-Gore était encore assez présente, quoi, disons, avec le discours pouvait peut-être se mélanger, etc. Mais je pense qu'il y avait une différence fondamentale qui n'était pas du tout liée à la négritude, mais qui était liée à l'appréciation de l'utilisation de la violence en politique. Fanon n'était pas. Il ne peut pas dire de Fanon qu'il était pour l'utilisation de la violence en politique. D'ailleurs, il a été un peu dérangé par la préface que Sartre avait faite des années de la paix. Dans sa préface, Sartre fait dire à Fanon d'une certaine manière qu'il est pour la violence. Enfin, et il lit la préface au moment où il meurt. Hein, vraiment, lors d'une décennie, il est très jeune, 36 ans. Fanon. Mais en fait, Fanon, quand même, il pensait qu'il fallait répondre à la violence et qu'éventuellement la réponse à la violence pouvait être la violence. Et là, je crois qu'avec Césaire, il y avait quand même quelque chose qui les dissociait, c'est-à-dire que Césaire, qui était plus âgé que lui, pensait que la violence était une impasse absolue parce que l'État colonial avait une telle puissance dans l'exercice de la violence qu'il aurait complètement écrasé. Mais ce n'était pas le même contexte non plus, parce que le contexte algérien n'est pas comparable du tout au contexte antillais. On aurait dit, les Martiniquais, on n'aurait fait qu'une bouchée, alors qu'on a essayé de faire qu'une bouchée avec les Algériens, on n'a pas réussi. Donc, voilà, je pense que c'est une différence importante. Et je voulais vous mentionner, la négritude, elle n'est pas hypothétique ce soir. Toute une ouverture sur le métissage, la rencontre et la convergence vers l'unité et l'université. C'est pas une négritude parce qu'il y a les mots noirs qui les nègres peuvent. Excusez-moi du terme, mais ce prétend qu'ils sont nègres et c'est. Non, c'est une valeur universelle. Tant qu'il y a la diversité, le métissage, on peut parler de négritude. C'est dans cela qu'elle est une valeur en écologie sociale et politique. Voilà. Je ne sais pas si Valéchalik
est partie de cette université-là, le Nigérienne qui a eu le prix Nobel. Je suis sûre que vous le savez. Mais il a dit, mais peut-être vous savez plus que moi, beaucoup plus que moi, que si Wallachek a écrit beaucoup sur le sujet de l'écriture et sur Elie Césaire. Mais je pensais pas tant que dans mon mémoire, il a dit pourquoi pas de la négritude, le tigre ne parle pas de la tigritude. Et c'était toujours me frapper comme quelque chose de très arrogant. Mais je veux savoir si vous pouvez élaborer sur cette commentaire. D'une certaine façon, il me semble que la réponse que j'ai faite est, tout à l'heure est un peu anticipée sur ça, c'est-à-dire que vraiment Césaire, il faut voir les choses en contexte aussi. Enfin, d'abord, Césaire, il est communiste, il est assez matérialiste quand même aussi, même s'il est, c'est un intellectuel, indéniablement, hein, il a raison de grammaire, etc., mais il part quand même aux conditions d'existence des gens. Et c'est ces conditions d'existence des gens qui m'ont déterminé d'ailleurs son action politique et le fait que politiquement il n'est pas toujours aussi radical qu'il était dans ses textes. Et lui, il explique, et moi je m'en tiendrai là parce que je pense que je ne vais pas spéculer sur ce que Césaire a voulu faire, mais lui dit que le mot négritude naît vraiment d'une volonté de se réapproprier une insulte qui lui a été lancée à la face un jour. Voilà. Je ne suis pas sûre que le tigre se serait fait insulter du tigre. Tu vois, on aurait pu répondre ça à M. Lucas. Est-ce que quelqu'un un jour aurait dit au tigre, espèce de tigre? Disons